Allez, salut les abonnés, je vous fais vraiment cette vidéo donc vraiment courte courte. Donc en fait là, il y a vraiment, je sais pas comment je peux appeler ça, une genre de tempête. Donc j'ai les cannes, elles bougent de partout. À deux doigts, il y a un arbre qui tombe. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de me ramasser les trucs de branches là juste au-dessus qui me tombent sur la tête. Donc pendant au moins 5 minutes, la Meuse, on la voyait, je vais appeler ça la rivière, on la voyait plus du tout, ça faisait comme un nuage de gros, un gros nuage de fumée. Et juste là, juste où ce que c'est que je vais passer donc une semaine au bord, il y a eu comme si il y avait une bombe dans l'eau, ça a monté en l'air et après ça a fait comme un nuage du coup, avec l'eau. Oh putain, je vais me faire attaquer par les cygnes. Donc ça a fait ça en fait. Et depuis tout à l'heure, je me mange des grosses rafales de vent. Et juste au-dessus de moi, là, il y a un gros nuage noir. Mais ça, c'est pareil. Ça, je ne vous le montre pas pour pas qu'on voie trop mon spot. Mais les amis, ça fait du vent, mais froid. Ça fait comme une genre de tempête. Donc si vous voyez aussi, donc si vous m'entendez pas beaucoup, c'est normal. Donc allez, donc je vais vous faire une présentation donc de mon matos que j'utilise là pour la pêche. J'espère qu'ils vont pas se taper dans mes lignes. Une bouillette en 20 mm de chez Fun Fishing. Des pop-up, Big Carp, Monster Crab et au saumon. Désolé pour le vent les amis, attendez, ça recommence. C'est pas possible. Je suis obligé carrément de me foutre contre le truc pour pas avoir trop de rafales de vent. Et dire qu'il y a même pas 30 secondes, j'étais là au milieu de la Meuse. En fait, j'étais là en face, donc j'ai placé mes lignes en waders. J'étais en train de jeter les bouillettes pour dire d'amorcer un peu plus. Et c'est là que c'est qu'il y a eu le gros pfff là-bas. Et de là, je me suis dit, ça peut être inquiétant. Du coup, j'ai préféré mieux venir me réfugier là. Que... Allez. Donc ben là donc je vais me faire attaquer par les cygnes, ça c'est cool. Mais là c'est chiant, c'est qu'avec le vent on sait pas dire si il y a un truc ou quoi sur les lignes. Parce que les écureuils du coup ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Du coup ben tant pis. Allez ben moi je pense que je vais vous laisser. Et si je vois que j'ai du nouveau, ben je vous tournerai une deuxième vidéo. Allez, salut !